Hey yo family, on se retrouve à LA. Je vous ai parlé un petit peu le détail tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de filmer parce que c'était pas très intéressant le voyage à Vegas. Puisqu'ici on arrive dans le petit Airbnb, on prend un petit shaker, bulky baby, on allait faire les touristes aux quatre coins de Venise parce qu'on est vraiment genre sur Venise. Si on imagine que c'est Nice, c'est vraiment comme la promenade des Anglais, donc on est dessus. Là on va aller prendre les élastiques, on va faire un petit bout du programme Home Training Beyond Fitness sur le fameux Muscle Beach, donc là-bas on est passé hier en vélo. J'ai loué un appartement, il y avait des vélos qui étaient inclus dedans et du coup c'est grave cool parce qu'on économise facile 600 balles. Qu'à 2 sur 23 jours, les vélos ça monte très très vite, c'est genre 20 balles la journée. Ça c'est le Complete Breakfast Smoothie Blueberry Raspberry, vraiment vraiment cool. On a 40 grammes de prot pour 100 grammes et c'est un super super bon goût juste avec de l'eau. Moi qui suis très chiant sur les shakes, ça c'est vraiment super cool. Ah oui, j'ai un petit peu craqué, enfin on a un petit peu craqué. J'ai acheté ça à SNS qui est genre une boutique qui est sur la prom entre guillemets. Et lui il a acheté ça, elles sont trop marrantes ces Converse, genre là tu vois elles sont blanches. Et regarde ce qui se passe si je les amène peut-être là. Hop, couleur caméléon, ça y est, ça part. Et du coup si tu les mets en plein soleil, ça change encore de couleur, même le dessous, enfin bon, bref, c'est un délire. It's time to more fucking train. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve une dizaine de jours plus tard. Ça fait longtemps que j'ai lâché la caméra tout simplement parce que j'ai bossé ça sur le livre. Il est enfin motherfucking down. On se retrouve actuellement au Gold's Gym pour les vrais soirées. J'ai pas besoin de vous présenter cet endroit mythique. Regardez-moi les vibes de ce lieu, genre c'est... Là, on a le coin des gens qui pensent brûler du gras, mais qui en fait ne font qu'augmenter leur cardio. Mais bon, ça, on en parlera plus tard, notamment dans le livre, si tu veux comprendre un petit peu plus comment on perd du gras de manière efficace. Je sais pas ce que ça fait 95, dans ma tête ça doit faire un truc genre 46. Voyons voir ce qu'il est possible de faire avec une haltère de quasiment 100 kg. Je pense que je fais rien avec, personne. Alors du squat sumo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Objectif, faire un aller-retour. On a 45. Bon. First one, easy. Le dos bien droit, poitrine en avant, et c'est parti. Serre les épaules vers l'arrière. Nice. Allez, ça passe, ça passe, ça passe. Armando, si je ne le rappelle, ne pousse pas, fais juste du street workout. Le mec s'en sort pas trop mal. On a fait un peu trop de shopping. Voilà le magasin. Allez, 162$. Hasta la vista. Je voulais juste un souvenir. Je viens de la laundry, j'ai oublié un sac sur la route, je sais absolument pas où. Du coup, il faut que je le retrouve. Il y a plein de mes fringues dedans qui coûtent cher sa race. J'ai aucune idée d'où est-ce que j'ai pu le laisser. Et là, mais à ce moment très 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 précis, c'est là que je réalise, en me disant que je sais pas où il est, où est-ce que je l'ai posé. Ah si, j'ai une idée. J'ai dû le laisser dans le magasin. Je suis vraiment un anus, genre. I was like, where's my bag? Yeah, thank you, sir. Ok, ladies and gentlemen, nous sommes actuellement accompagnés de Mr. F by Sam. Nous sommes en train de laminer les hommes de l'ombre, just right there. C'est donc l'heure de la revanche, ils viennent de se prendre 21-7. Ça fait comment 21-7? Ça fait mal. C'était tellement simple que cette fois, je vous passe à la première personne. Let's go. Nice. Bon, c'est un peu dur de jouer avec la GoPro. Je vous pose 2 secondes. On remonte tranquillou. Vite, 0.
Allez. Bon, ok, les filles étaient en retard, mais ça va, on les pardonne. Family. On était absolument tous dans l'eau comme des sagouins en train de kiffer notre vie. Et là on voit plein de mouettes. Moi perso j'ai voulu prendre un bail de pique-nique. Armand il a dit vas-y moi je tape un Subway. Le Subway il est là, là, là. Et dans les mouettes qui sont un peu partout là. Bye bye le Subway. Un petit peu comme je te l'expliquais à la fin du vlog de Vegas, on a passé beaucoup de temps dans la vraie vie avec des vrais gens, avoir de vraies discussions et passer tout simplement du vrai temps. Chose qui est très dure à faire quand, comme moi, tu bosses sur les réseaux et que t'as tout le temps ton téléphone dans la main, que tu snaps tout le temps tout ce qui bouge, que tu prends tout le temps des photos. Donc si je m'étais mis un peu plus en mode youtubeur, ces vlogs auraient pu être beaucoup plus construits, il aurait pu avoir des plans de drone, il aurait pu avoir des beaux plans cinématiques, slow motion, tout ça. J'ai juste voulu profiter de l'instant présent et filmer quand j'avais envie de filmer plutôt que de filmer parce que je devais filmer. Dans tous les cas, là, on va prendre un virage à 360 degrés avec mon nouveau contenu YouTube qui arrive très très fort. Mais voilà, je préfère 15 fois vous sortir une petite vidéo plus honnête, sincère et transparente plutôt que d'essayer de vous faker une vie instagrammable et de faire quelque chose de beau juste pour du contenu. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu juste là avec un commentaire en prime, ça fait toujours plaisir. On se voit très 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 vite, family. Merci pour tout. À très vite.